Alors, comme il a été dit il y a quelques minutes, on vit les dernières heures, les dernières minutes de cette université d'été. Toujours l'occasion pour nous de rencontrer un maximum de personnes dans le cadre du congrès des ingénieurs qui se tiendra fin octobre. Alors, toute première question, M. Beck, que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que, oui ou non, d'après vous, il nous manque des ingénieurs en Suisse? Oui, naturellement, il en manque dans un certain nombre de domaines. Si on pense en particulier dans la Suisse romande, il manque des ingénieurs en génie civil. Il manque également, au niveau d'un enjeu important de ces prochaines années, des ingénieurs en génie nucléaire. Et là, on recommence à réanimer ces filières dont nous avons absolument besoin pour assurer notre approvisionnement en énergie. Et il y a sans doute d'autres domaines dans lesquels il manque aussi des ingénieurs parce que on a sans doute fait une promotion plus importante pour les métiers de la finance et de l'économie et beaucoup moins pour les spécialistes des branches techniques. Alors justement, on est allé aussi chercher des bras et des têtes de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux et celles qui sont sur les bancs d'école, qui sont en train d'étudier par rapport à ce qui se passe? J'imagine qu'ils se posent des questions sur le chômage ou les choses de ce genre. Alors écoutez, je crois que c'est important ou même essentiel pour les jeunes de choisir une faculté ou un type de formation, non seulement en fonction des envies du moment, mais également en fonction des perspectives économiques. Et je suis persuadé que dans les branches que je citais tout à l'heure, il y a un appel qui est énorme et il y a des possibilités de trouver des emplois qui sont très, très importantes et qui absorbent, bien entendu, plus que ne produisent actuellement nos écoles, si je pense en particulier au génie civil, et bien entendu qu'on est obligé de recourir pour permettre à l'économie de fonctionner à des personnes qui viennent de l'étranger avec de telles qualifications. Alors, comment on peut faire passer le message justement pour ceux et celles qui s'intéressent à ces métiers, de les orienter, de s'intéresser déjà aux métiers? Il y a aussi par exemple la question des femmes, il n'y a pas assez de femmes non plus dans ces métiers. Alors écoutez, je crois que nos filières de formation maintenant sont parfaitement ouvertes. Il est clair que la promotion par les hautes écoles et par les milieux comme l'Office fédéral de la formation professionnelle, il est essentiel que l'on fasse la promotion de ces domaines dans lesquels nous manquerons d'ingénieurs et naturellement aussi que l'on rappelle qu'ils sont complètement ouverts aux femmes. Alors, les outils qui existent pour tout ça, c'est quoi? C'est de la responsabilité des politiques, l'économie, un mix des deux ou d'autres? Ah, je crois que c'est de la responsabilité de l'ensemble des milieux concernés. Bien sûr, des niveaux politiques. Bien sûr, aussi des universités, des écoles polytechniques, les différentes académies. Je crois que c'est très important d'amener ces informations aux jeunes qui sont en phase de maturité, c'est-à-dire dans leur parcours gymnasial, parce que c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions et qu'on s'interpelle. Et puis, je crois aussi que c'est donc une nécessité qu'au niveau des écoles et même de la scolarité obligatoire, on rappelle ces réalités, ces perspectives économiques et qu'on rappelle toujours aux étudiants, aux futurs étudiants concernés, qu'il faut intégrer dans son choix d'autres éléments que le pur aspect émotionnel qui nous attire vers un métier ou vers un autre. Alors si justement je vous demandais l'exercice de style de faire le marketing de ces professions en trois mots, trois points, ça donnerait quoi? C'est l'avant-dernière question, je vous rassure. Alors écoutez, j'ai envie de dire, pour prendre le contre-pied du courant de ces dernières années, qu'un pays, qu'une communauté ne vit pas seulement d'instituts financiers et de spécialistes en économie, mais que nous vivons dans des maisons, nous roulons sur des ponts, nous avons besoin d'énergie et qu'il est indispensable de construire, de permettre le développement de notre cadre de vie. Et pour cela, nous avons besoin d'ingénieurs très nombreux dans les branches techniques dont nous avons un besoin quotidien et sans doute plus que de spécialistes des mécanismes spéculatifs. Alors là, si c'est pas un spot publicitaire, je ne sais plus comment je m'appelle. Très très belle opération de marketing. Et puis formation technique au départ, c'est peut-être pour ça que j'ai. Et puis je suis un peu, je suis agriculteur encore un tout petit peu à côté de mes activités politiques, donc j'ai besoin du concret. Donc là, si je vous ai bien compris, il nous en faut hein, des ingénieurs, c'est clair. Mais bien sûr. Dernière question, beaucoup plus vaste, beaucoup plus générale, l'usage de l'internet dans la vie de tous les jours, dans votre métier, dans la vie privée, ça donne quoi? Alors j'y suis un peu rébarbatif, je vous le confie volontiers. Je trouve que le grand défi avec les technologies modernes qui nous sont offertes, c'est de ne pas transformer la liberté qu'elles devraient nous offrir en esclavage.
Or, avec Internet pour moi, et je le vois avec mes enfants qui sont maintenant de jeunes adultes, j'ai parfois l'impression que ça devient un petit peu une forme d'esclavage. Donc ce sont des instruments qui sont remarquables, qui nous offrent beaucoup de liberté et de facilité dans notre travail si on sait les utiliser, si on arrive à maîtriser les pièges qu'ils comportent et qui nous en rendraient très rapidement dépendants. Alors on va couper la communication et vous laisser profiter du reste du week-end. Merci beaucoup, monsieur Beck. Merci beaucoup à vous.